Lancé moi 25 qui aujourd'hui meurt voilà notre compagnie pour l'épisode numéro 7 de MindQuest et donc il y a plusieurs choses plusieurs changements que j'ai fait donc là comme vous pouvez le voir j'ai fait des golems parce que j'ai mis à fond tout le temps que j'ai joué à Minecraft là et parce que, enfin j'ai beaucoup joué à Minecraft ces temps-ci j'ai fait que de miner j'ai trouvé un tas de fer et tout vous allez voir ça là, pas mal de diamants aussi. J'ai été assez chanceux. J'ai fait que de pexer, enfin j'ai fait que de tuer des mobs et tout. Du coup j'ai pu enchanter tous mes outils, etc. Donc là je me suis fait des golems. Donc j'ai mis des zones enclos. Alors pour ceux qui connaissent pas les golems, on peut les créer avec des blocs de fer. Bah attendez, vu que j'ai plein de fer, hein, on va pas se priver. On va en se faire un, hein. Ok. Alors là déjà on peut voir que j'ai encore 10 diamants. Là j'ai déjà 3 stacks de fer. 3 lingots. Ouais, 3 stacks de lingots de fer. Ah oui, je vais vous montrer un peu les armures avec avec mon pack de textures vu que j'ai avec mon nouveau pack de texture. Ah oui, alors, à noter que les golems là, ils sont pas ils sont pas retexturés avec mon pack de texture. Donc je vais vous montrer un peu l'armure avec mon pack de texture, elle est juste trop stylée. Donc ça c'est une armure en acier. Voilà, moi je la trouve ultra stylée quoi. Puis je vais vous montrer un peu un peu tout avec mon pack de texture. Vous savez. Ah oui, et puis j'ai des petits chats aussi, regardez. Là il y en a un. Oh il est mignon, hein, ce petit mort, oui il est mignon. Puis là, ben là il y a un petit bébé aussi. Il y a un petit bébé. Je suis allé super loin pour pouvoir les trouver. C'est tout petit là. Oh oui, il est beau, ce petit. Puis le dernier il est en bas. Bah, il est où l'autre petit? Il est là. Ah oui, donc ah oui, vu que j'ai eu pas mal de diamants tout ça, j'ai pu me faire une table d'enchantement. Que j'entoure avec des bibliothèques parce que pour ceux qui ne savent pas les bibliothèques ça renforce la puissance ils appellent ça maître de la magie eh ben ah non donc ça renforce la puissance des tables d'enchantement donc voilà et on va remonter mais il est où l'autre il est quand même pas mort. Ne me dites pas qu'il est mort, ce serait horrible. J'allais voir. Ok, là il y en a un. Là il y a le bébé. Puis l'autre il est où? Là-haut? Ah ok, ils sont là. Bon, ils sont ça. Donc revenons à nos moutons. Ou à nos chats. Ou à nos golems plutôt. Donc elle est là mon armure de diamant. Parce que je me suis fait tout plein de trucs en diamant et tout. Vu que j'ai tellement mini. Du diamant j'en ai trouvé dans les 40 par là en tout. Pas en une seule fois bien sûr hein. Ce sera impossible. Ah oui puis j'ai créé un truc d'alchimie aussi. Bon pour l'instant j'ai rien fait pour l'instant hein. J'ai juste fait une petite potion de merde. Elle est là je pense. Ah maintenant j'ai utilisé. Donc voilà je fais une petite potion. Allez, les armures verrez quand je porterai celle-là. Quand celle-là sera pété, bah, vous allez voir, elles sont trop stylées les armures. J'ai fait du gâteau aussi. Donc vous voyez là, j'ai vraiment plein de fer, hein, plein de lingots de fer. Franchement, je vous dis, j'ai vraiment mais beaucoup miné. J'avais pas déjà des lingots de fer là. Bon bah pas grave, on va s'en faire alors. Bah tiens, autrement. Non, c'est tout ça. Tac, 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 tac. Voilà, on va tout prendre. 4. C'est quoi? On va se faire chier. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Excusez-moi pour ce petit laps de temps, c'est que j'ai un peu rien fait. Ah, et puis il me faut une citrouille aussi. Là, voilà, j'en ai une là. Parfait. Donc, je vais vous montrer comment faire un golem. C'est très simple, mais
suffit juste d'avoir un minimum de fer et puis vous pouvez en faire. Alors, faudrait que je leur donne des noms à ces deux-là. Faudrait que je leur donne des noms aux golems. Ah, et puis ils sont vachement puissants, hein, les golems. Je vous dis, ils sont vachement puissants. Ils tuent les mobs en deux ou trois coups. Trois coups au max. Et puis j'ai testé en créative. On en bute un. Pousse-toi un peu, toi. Il faut 16 coups d'épée en diamant pour en tuer un. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup, hein, franchement. Donc voilà, pour créer un golem, 1, 2, 3, 4 blocs de fer et une citrouille que vous posez juste là. Et voilà, vous avez un golem. Et c'est vachement puissant. Et très, très, très résistant, voilà. Donc voilà, c'est petit conseil. Un peu, si je peux dire ça comme ça. Donc, du coup, j'ai même pas parlé de ce que j'avais fait, tout ça. Donc, oui, j'ai mis à mort. Hein. J'ai plein de trucs. Enfin, la redstone, j'ai pas pris parce que je m'en sers pas beaucoup. Puis, de toute façon, on en trouve trop facilement en profondeur. Dès que vous arrivez vraiment en profondeur, vous en trouvez partout. Donc, voilà quoi. J'ai trouvé un petit peu d'or, mais j'ai pas tout pris. J'ai du charbon. Enfin, ça, j'en ai déjà avant, mais enfin, bon. J'ai du gâteau. C'est bon, le gâteau. Puis c'est tout. Donc voilà. Si quelqu'un y connaît un peu en alchimie, qui m'en parle parce que je pige rien à l'alchimie. Mais alors vraiment rien, rien, rien et rien. Donc voilà. Faudrait vraiment que j'irai un peu voir des vidéos tuto, des trucs comme ça pour améliorer un peu en alchimie. Donc voilà. Allez, je vais vous dire au revoir moi avec. Beau skin, voilà. Beau skin, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, qui représente Tyler Durden du film Fight Club. Dans le film, il jouait par Brad Pitt d'ailleurs. Donc voilà. Allez, à plus!